Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Voilà, on est le matin avec une matinée qui est déjà bien entamée. Aujourd'hui, on a laissé tout le monde dormir. Je vais chercher un pull parce que je vais sortir. Et je pense que juste un petit pull, ça peut être suffisant. Le truc qu'il fallait pas que ça arrive, et c'est quand même bête parce qu'hier, JB a été aux courses. Mais je n'ai plus d'encre noire et c'est l'encre qu'on a le plus besoin pour tout ce qui est les feuilles de travail pour Maxence, pour Andrea aussi. À Maury, on a tout, mais c'est concis que je les imprime parce que j'ai une feuille complète à chaque fois. Et là, j'ai que les couleurs. Voilà, donc je vais à Leclerc acheter cartouches et je pense que je vais en prendre deux. On ne sait jamais comme ça, vu qu'on ne sait pas combien de temps ça dure. J'ai fait ma petite attestation. Qu'est-ce que je voulais dire? On en avait déjà imprimé plusieurs pour pas être tout le temps en train d'en sortir. Donc ça c'est bien, heureusement, parce que sinon je sais pas comment je ferais, parce que ça n'imprime plus du tout. Même quand je mets en couleur, ça n'imprime pas le noir, ce qui est normal. Donc voilà. Mais bon, je vais aller faire mon petit tour. Ça va faire du bien de sortir aussi, parce que ça fait donc maintenant bien un peu plus d'une semaine que je suis pas sortie de la maison. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas grand monde aux courses. On est un vendredi en général, les gens, il faut quand même plus les courses le vendredi. On va ressortir les petites chaussures ouvertes, vu le temps qu'il fait. Bon, ben voilà, rentrée à la maison, on est en train de travailler un petit peu. Ah, finalement, t'as écrit avec ton stylo? Assieds-toi ici. Bon, à Leclerc, j'ai pas du tout trouvé de cartouche. C'était vide. Je vais corriger. Et j'étais à Cora. Et à Cora, j'ai trouvé une cartouche noire. Donc, je l'ai pris. J'en aurai. Dès qu'il y en aura plus, j'essaierai de rechercher ailleurs. Mais c'est quoi le problème là? Allez, tu redescends. Se prendre la tête pour une tongue, je vous jure. Descends. Donc la puce travaille un peu. JB est en train de nous faire les burgers et il a vu les recettes de Burger King, le Whopper. Donc on va se faire ça tous les deux. On va voir si c'est bon aussi à la maison. Non, on va vous en faire, mais on va pas faire ce genre de hamburger pour vous, quoi. On va vous faire des tout simples pour vous, avec le fromage, ça. Donc voilà, donc à Cora j'ai trouvé, il y avait personne à Cora, alors qu'à Leclerc il y avait plus de monde par exemple, c'est bizarre. Cora c'est peut-être parce que c'est plus grand, donc ça donne cette sensation qu'il y a moins de monde. Mais bon, je voulais trouver des torchons, impossible de trouver des torchons dans l'un ou l'autre. Je pensais que tu voulais trouver qu'une seule chose. Bah je voulais trouver des torchons aussi Maxence, mais j'ai pas trouvé. Mais bon, donc j'ai pu imprimer les papiers pour les enfants, donc ils commencent un peu à travailler le temps que JB prépare à manger. Et puis après on mangera et on reprendra vraiment cet après-midi le travail. Les hamburgers sont servis pour les enfants. Tu veux que je coupe pour que ce soit plus simple? Oui, il n'y a pas de problème. Ils sont bien servis, hein. C'est des bons pains. Bah, tu l'auras en fonction de là où il est, d'accord? Non, juste là. Tu le vois? Ah oui, je le vois, ton cornichon. Et tu vois de la tomate. Miam, miam, miam. Oui. Oui, si tout le monde a bien mangé ce midi, les burgers étaient top du top. Et avec les pains faits par le boulanger de Leclerc, c'est une tuerie. Hein, Maxence, tu as super bien mangé, toi. Les burgers, hein, ils étaient bons. Bon, on a une petite puce levée de la sieste. Maxence qui fait le dernier travail. Il fait un travail comme ça. C'est une façon d'un peintre. Alors, je suis incapable de dire son nom. Qui fait des fonds et qui rajoute des fleurs dessus. Donc, voilà. Maxence a fait son fond. On va laisser sécher. Attends, la puce. Attends. Et après, là, pendant que ça sèche, on va fabriquer les petites fleurs qu'on va coller par-dessus son fond. Et c'est à la façon de... Faut que je retrouve le même. Non, c'est pas Picasso, ça. Viens, on va voir à la façon de... Attends, ma puce, je t'ai dit. Je t'ai dit attends, en fait. Ben non, parce que je te dis attends. D'accord, ma puce? Je vais mettre à la poubelle, on verra le bâton. À la manière de... Under soit... Toi, sœur? Under toi, Wasser? Je sais pas dire. Under Wasser. Voilà. Voilà ce qu'il fait, lui.
des peintures comme ça. Under Watson. Voilà. Et ça, ici, c'est la façon dont les enfants les font. Donc voilà, on va faire ça avec Maxence. C'est la façon que je l'ai fait, moi. Oui, toi, t'as fait de ce genre-là, toi. Et donc, moi, j'avais imprimé que cette partie-là. Et là, Maxence, c'est pas. Donc, on va créer les fleurs et on va les coller dessus. Franchement, c'est vraiment mignon. C'était marqué même des arbres. Même des arbres. Ça, c'est les arbres qu'il a fabriqués. Et là, nous, on va faire les fleurs qu'elle a dit la maîtresse. Et demain, ce sera ça, c'est vraiment joli, je trouve. Et j'aime lundi, beaucoup. Ce sera les arbres, peut-être. Et ça, c'est les vrais, les réels de ce peintre-là. Qui, voilà. Under Watson. Watson. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, on fait ça pour Maxence. Watson. Donc voilà le petit dessin de Maxence, ses petites fleurs, donc dans ce style-là, il a fait ça, et là c'est Andrea l'a fait avec lui, c'est moi, je l'ai aidé, j'ai coupé les ronds et c'est elle qui a collé, qui a choisi dans quel ordre les mettre les fleurs, c'est vraiment mignon, et là on se fait apéro ce soir avec papy, en visio, et par contre on a un son tout pourri, on ne sait pas pourquoi, et c'est reparti pour un tour. Bon, je vous prends dans la chambre, on a notre petit apéro en famille qui s'est terminé, c'était très bien, on a pu discuter avec tout le monde, avec le frère de JB, avec son papa, c'était cool, on a fini notre petit apéro tranquillement, les enfants sont en train de regarder des petits dessins animés, et on a JB là, il est en train de discuter avec mon frère, parce qu'en fait il lui a envoyé un loin pour regarder des vidéos sur internet de LFL, non c'est pas LFL, c'est LSC, donc c'est la League of Legends, c'est pas C, si, Europe, E, je sais plus comment elle s'appelle, mais en fait c'est les compétitions européennes finalement, voilà c'est ça, de League of Legends, donc il est au taquet là, il a pas arrêté de parler avec Merlin, il a mis ça sur l'ordi pour passer sur la télé, et j'ai dit bah ouais mais moi je vais passer une petite soirée tranquille dans la chambre à me regarder des petites séries sur Netflix que je regarde pas avec lui. Et puis comme on est tout le temps ensemble, on peut plus regarder ce genre de choses qu'on aime bien regarder quand il n'y a pas l'un ou l'autre. Donc j'en profite. Donc voilà, on va dire qu'on est chacun dans notre pièce ce soir. On est cinq, on est dans cinq pièces différentes. Voilà. Bon, sinon on a passé une très très bonne journée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à demain et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.